Hello, hello, salut les caméras. Alors aujourd'hui, pour terminer notre tour d'horizon de la fenêtre coupé-calque, et en particulier le mode image, la photo. Qui n'a pas tenté de personnaliser une pièce en y gravant la photo d'une personne qui lui est chère? C'est très tentant, mais... Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais en effet, graver une photo est parfois décevant car nous nous attendons à avoir un rendu proche du modèle avec une qualité et un niveau de détail très fin. Mais bien que Lightburn travaille et accepte 255 niveaux de gris, lorsque vous gravez, au mieux, vous pouvez en obtenir qu'une dizaine de niveaux. Et encore, ça dépendra pas mal de choses comme le réglage de votre focus, du matériau, de sa couleur, sa combustibilité, etc. Et surtout de la préparation que vous aurez faite de votre image, de votre photo, avant de l'importer dans Lightburn, car c'est essentiel pour une photo. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de la préparation d'une photo. Je vous montre ici le résultat de mes recherches personnelles, de mes tests. Voyons ensemble les petites règles qui en découlent et le cheminement pris pour obtenir quelque chose de potable. Entre parenthèses, je vous mets un petit lien là-haut vers un pro de la préparation d'une photo pour la gravure, en anglais malheureusement. Visualisez-la, elle vous permettra de vous rendre compte de la complexité de la chose quand vous voulez faire les choses comme il faut. Assez de blabla, passons à la pratique et voyons la préparation d'une photo pour la gravure. Je vous explique ici le minimum syndical pour avoir quelque chose de plus ou moins correct, le but n'étant pas de vous apprendre à traiter une image, mais plutôt de comment utiliser l'application Lightburn. Pour l'exercice, je me sers d'une photo du photographe Dimitri Ganin. Bien qu'elle soit libre de droit, rendons à César ce qui est à César. Quel que soit le logiciel que vous utilisez pour traiter votre image, que ce soit GIMP, Photoshop ou autre, moi j'utilise Affinity Photo. La première règle, c'est de travailler avec une image avec une définition la plus haute possible. Normal, ne vous attendez pas à la qualité en sortie si vous n'en avez pas en entrée. Ici, la photo fait une définition de 2892 x 3615 pixels. Ah oui, j'oubliais, 2892 pour nos amis les Français. Si je diminue la taille de l'image à 150 par 120, le nombre de pixels à 300 dpi, et je la tape dans Lightburn, comme vous pouvez le voir, un détail saute immédiatement aux yeux, c'est que le sujet est vraiment noyé dans son décor, ne ressort pas si vous la gravez telle quelle. C'est le fiasco assuré. Ce qui nous amène à notre règle numéro 2, mettre le sujet en évidence. Je retourne dans mon logiciel de traitement photo et je vais isoler le fond et l'éclaircir un maximum. Avec pour résultat ceci, voilà qui est déjà beaucoup mieux. Je réduis sa taille, donc 150 par 120, la définition 300 dpi et je la mets à côté pour comparaison. Le sujet est bien mis en évidence, il est isolé de l'arrière-fond. Vous pourriez également simplement effacer le fond. Ce qui nous amène à la troisième règle, augmenter les contrastes afin d'augmenter les détails du sujet. Ce qui nous donne le fait d'avoir joué avec les contrastes du sujet, on peut mettre en évidence les détails dans les cheveux. Éclaircir un peu le visage. J'ai laissé deux détails que j'aurais pu améliorer, c'est-à-dire le contraste entre la main et le visage et l'ombre sur les bras qui n'a rien à y faire. Mais ça permettra de vous expliquer ce que ça peut impliquer par après. Et hop, un peu d'ordre. Même exercice, mise à taille et à définition. Et nous arrivons tout doucement au résultat désiré. Pour la dernière règle et réglage, un petit chouïa d'explication. Rappelez-vous ce que je vous disais concernant le nombre de niveaux de gris capables par votre laser, une petite dizaine, voire maximum une quinzaine par rapport aux 255 proposés par Lightburn pour votre photo. Ce qui a pour effet qu'en règle générale, la gravure sera toujours plus foncée que le modèle.
Pallié à ça, nous allons régler le gamma de l'entièreté de la photo pour l'éclaircir dans sa totalité. Après un petit passage dans votre logiciel de retouche, notre sujet est fin prêt, petit traitement Jivago. Alors encore deux petites règles. Vous importez dans Lightburn à la dimension et à la définition voulue pour la gravure. Vous ne redimensionnez plus dans Lightburn. La dernière, une définition plus haute que 300 dpi est totalement inutile et même déconseillée. Avant de passer à la suite, un petit récapitulatif de toutes les règles. Vous êtes dès à présent prêt pour traiter votre image avant gravure. Il existe bien sûr des méthodes plus simples comme Imagère et compagnie, mais je voulais vous donner la piste, la base pour pouvoir le faire vous-même. La dernière image est fin prête pour être gravée, mais vous pourriez avoir besoin d'ajuster certains réglages. C'est pourquoi Lightburn vous propose un outil, et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Dans un premier temps, désactivons ces trois épreuves-là. Celle-ci étant celle qui nous intéresse. Avant la version 1.0 de Lightburn, pour ajuster nos images, il fallait utiliser la fenêtre propriété de la forme. Mais non seulement pas grand monde n'en connaissait l'existence, mais de plus les réglages n'étaient guère très parlants. Depuis, un gros effort a été fourni afin de nous offrir une interface plus attrayante. Clic droit, Adjust Image, et nous obtenons cette superbe interface. Également accessible via option I sur Mac, Alt I sur Windows. Détaillons l'interface, à gauche l'état actuel de votre image et à droite une prévisualisation des modifications que vous lui apporterez. Commençons par la définition de l'image. Je vous rappelle qu'il est important d'importer l'image dans Lightburn à la taille et au nombre de dpi désirés pour la gravure. Lightburn n'est pas un logiciel de traitement d'image, il se basera sur ce qu'on lui donne. Vous pouvez modifier les valeurs, mais limitez-vous, pour la gravure d'une photo, c'est entre 254 et 318. À la limite, sur bois, 127 suivant sa combustibilité. Rappelez-vous la ligne sur le buvard, avec un résultat bien souvent décevant. En dessous de ces valeurs, il risque de se trouver avec une image captée style Canal+, ou au-dessus, ce sera style fromage fondu carbonisé. Je veux dire, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Passons maintenant aux paramètres d'image. Le premier, le contraste. Si vous l'augmentez, les tons moyens sont éliminés, donc vous obtenez une image plus sombre. Alors, brightness, donc luminosité en français, augmente ou diminue toute la gamme de tons de l'image. Et le gamma, lui, on pourrait le comparer en argentique à la durée d'exposition. Plus on en augmente, plus les détails sont accentués. Alors les deux curseurs de droite, vous l'aurez compris, augmentent la taille des pixels ou leur nombre. Si votre image a bien été travaillée dans votre logiciel de retouche, vous n'aurez pas à toucher ces paramètres. Jouez plutôt avec la puissance de votre laser pour obtenir ce que vous voulez. Alors pour l'élément suivant, le dithering. Désolé, il y a tellement de termes que la traduction est difficile. On pourrait dire tremblement, vibration, indécision. Certains parlent même de signal de superposition, de tramage, de niveau d'optimisation, de diffusion d'erreurs, et j'en passe. Lightburn a choisi la facilité, parle de mode d'image. Faisons de même et parlons d'une méthode utilisant un algorithme particulier pour diminuer le nombre de couleurs tout en gardant un aspect et un rendu le plus proche de l'original. Chacun des modes proposés devrait vous permettre d'obtenir un résultat satisfaisant, dépendant de ce que vous voulez graver, bien sûr. L'un fonctionnant mieux avec une image de bande dessinée, l'autre pour la gravure sur carrelage ou sur miroir, etc. Difficile de vous conseiller l'un ou l'autre, à vous de définir vos préférences. Je vous rappelle que pour obtenir quelque chose d'acceptable, ça tient en trois mots, tester, tester, et encore tester. Commençons par la première, le seuil. Le seuil travaille de façon binaire, c'est-à-dire qu'il transforme les parties claires en blanc et les plus foncées en noir. C'est à utiliser pour les images noires et blanc, on évite de l'utiliser pour les images grisées. Comme vous pouvez le voir, les pertes d'informations sont très importantes. Alors la suivante, l'ordonnée, c'est une amélioration de la précédente. Elle rajoute des niveaux de gris pour approximer les ombres.
Il utilise un motif de gris, le pattern. Si nous regardons de plus près, vous voyez que nous avons bien nos deux extrêmes, le noir, le blanc, et quelques niveaux de gris. Alors on utilisera ce mode pour les images avec des grandes zones foncées. Ou alors, lorsque vous remarquez que les modes à diffusion d'erreurs génèrent des vagues dans votre image. Dans le même ordre d'idées, les modes ordonnés, tramage, papier journal et demi-ton peuvent être classés dans la même catégorie, les ordonnés. Ils utilisent tous un pattern, une grille, pour générer la diminution des niveaux de gris. Chacun faisant varier l'épaisseur du pattern, ce qui a pour effet d'augmenter ou diminuer la netteté de l'image. Alors les trois suivantes, Atkinson, Stuckey et Jarvis, elles devront être classées dans une catégorie à diffusion d'erreurs. J'entends la plupart d'entre vous vous demander la diffusion d'erreurs, qu'est-ce à quoi? Je ne vais pas vous donner un cours sur le sujet, nous n'avons pas 3 heures devant nous. D'autres l'ont fait bien mieux que je ne pourrais jamais le faire. Pour ceux qui voudraient se plonger dans le sujet, je leur mets quelques liens en commentaire. En simplifiant largement la chose, nous pourrions dire que c'est une amélioration du rendu de l'image. En effectuant une comparaison pixel par pixel, avec un pixel plus ou moins éloigné suivant le mode, et en répercutant une fraction de la différence constatée sur le pixel entourant le pixel de référence. Alors, les modes Atkinson et Stuckey découlent du mode Jarvis. Ils font varier la fraction de diffusion de l'erreur pour diminuer le temps de calcul, mais de ce fait, diminuent le rendu obtenu. Le mode suivant, l'esquisse, plus artistique, se cantonne aux bordures des zones qu'il transforme en noir. Par contre, veillez à prononcer les contrastes pour ne pas avoir des pertes d'informations comme ici. Du meilleur effet pour les gravures sur plexi rétroéclairé. Et pour terminer, l'échelle de gris, c'est plutôt dédié au graveur CO2 pour la gravure 3D. Il peut être utilisé pour les graveurs diodes, mais c'est très difficile à régler. Nous avons fait le tour de tous les modes proposés par Lightburn. Comme je vous disais, le mode que vous choisirez dépendra de vos préférences, du matériau sur lequel vous aurez à graver. Je ne peux pas vous conseiller sur un mode en particulier, à vous de faire vos tests. Pour ma part, sur cette image, je choisirai Jarvis. Et de plus, pour éviter d'avoir un motif répétitif, je changerai l'angle de gravure à 35 degrés. Maintenant que j'ai bien expliqué tous ces détails, je dois vous dire que si votre image a bien été importée à la bonne taille, à la bonne définition, a bien été réglée soit dans votre logiciel de retouche, soit par une autre application comme Imager ou autre, il vous suffit de cocher cette option et Lightburn s'occupe du reste. Retranscrivant pixel par pixel votre image vers votre laser. Comme vous l'aurez compris, un seul mot d'ordre, tester. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager, et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants.